Salut tout le monde, c'est Pegelman. Pumba Hunt, aujourd'hui nous allons nous retrouver sur Counter-Strike Go pour un nouvel Overwatch. Un nouvel Overwatch, ça faisait un petit moment parce que c'est les vacances et oula, un petit problème. Il faut que je mette le overlay à droite. Voilà, tout va bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Nous allons télécharger une nouvelle preuve et moi j'ai juste préparé... J'ai juste préparé mon fusil au cas où si on rencontre un cheater dans la game que j'ai téléchargé. Donc on va mettre mon merveilleux casque Orion Pro sur la tête. Vous êtes censé savoir que récemment il y a eu la Coupe du Monde de football et qu'il y a eu un match assez suspect Allemagne-Brésil qui était assez suspect. Je pense que les Allemands ont usé de techniques assez frauduleuses. Peut-être ça mériterait un Overwatch. Donc, Overwatch du jour, en espérant qu'il y ait des gens, je dirais, honnêtes hein, dans cette game. Donc nous avons un joueur qui possède des skins et qui possède 6-2. Nous sommes sur la map Dust 2. Et oh, attendez, on va mettre... Ah! Donc en face, il y a deux bots. C'est très suspect tout ça. À mon avis, les gars, ils ont leave. Donc il y a déjà 4 à 2. Les gars ont décidé de plus jouer à mon avis. Donc cet Overwatch sera peut-être difficile à juger parce que à mon avis c'est la fin de la partie. Ouais, rien de spécial hein, pour cet Overwatch. Concernant les cheaters, ils sont de moins en moins, faut dire. Je sais pas pourquoi il va là en fait. Parce que s'il avait un Wallach, il serait directement allé au spawn. À mon avis, ça fait partie des gens qui se sont fait report pour rien et qui méritent d'être examinés parce que les gars en face, peut-être on avait marre de mourir directement. À propos des cheaters, vous savez tous que Valve a mis une certaine politique dans le jeu annulant le match si la personne venait à être bannie pendant la rencontre ou après la rencontre. Donc le match venait à être annulé. Il n'y a vraiment rien de spécial, hein. Il fait vraiment rien de spécial. Je sais pas, je pense qu'on fera un autre Overwatch. Hein, donc, alors ils ont décidé de se tirer dessus dans les terreaux. Donc pour revenir à ce que je disais, les cheaters doivent tout simplement faire part d'une grande discrétion pour pouvoir ne pas se faire spot et ne pas se faire report pour pouvoir valider et boost correctement leurs collègues qui ont payé pour les skins et tout ça, boosted for skin. Parce que, en plus il a des skins ce gars, donc s'il venait à cheater... Très très bien. Bonjour, j'ai cet homescope, t'es très mauvais. Honnêtement, là, il n'y a rien de spécial hein, dans cet Overwatch, je pense tout simplement. C'est comme si moi, je venais à me faire report et voilà, juste parce que j'étais chaud. Ouais, vraiment rien de spécial. Il aurait tiré avant, sinon, avant de se faire toucher. Et aussi, dans le move d'avant, il serait pas allé long. Donc, honnêtement, cet Overwatch, je pense que les gars en face sont tout simplement ragés. Pour vous dire... L'Overwatch devrait être amélioré en fait. Vous savez pourquoi? Parce que imaginez en matchmaking, on est en matchmaking, et tout simplement, je vous donne un exemple, il y a des soirs où X joueur est tout simplement one fire, il est tout simplement chaud, il voit tout, il sait tout, il anticipe à mort, et on peut croire que le gars cheat. J'avais fait une game, bon, en face, c'était des gens que je connaissais. Et je me suis dit tout simplement que les gars en face, je vais me donner à 1000% et je vais tout simplement les défoncer. Et que les gars en face nous reportent. Et que à chaque fois qu'on a le bon timing, on peut
se faire bannir Overwatch. Et je pense que c'est tout simplement le gros point négatif. Imaginez par exemple un Shox, un Getride. Il se fait mass report. Ok, il se fait mass report pendant un matchmaking et il apparaît en Overwatch, le Getride. Donc il va super bien jouer, machin. Et quelqu'un qui est dans une mauvaise humeur, voilà, preuve irréfutable, Et ce bon joueur se retrouve banni pour cheat, alors qu'il ne cheatait pas. Moi, je pense que l'Overwatch devrait être, certes, analysé. Et le cas, une fois examiné, ne doit pas bannir directement la personne. Je pense qu'elle doit être reportée dans un cas, je dirais, disciplinaire. Sur le... Voilà. Là, par exemple, le gars ne cheat pas. Pourquoi il est dans l'Overwatch, hein? Pourquoi il est dans l'Overwatch? Imaginez, 10 personnes le met preuve irréfutable. Ce gars-là, le suspect, va être banni alors qu'il a rien fait de spécial. Donc ça c'est dommage. Parce que là, regardez tout simplement comment il tire et tout. Le gars, il fait pas un score extraordinaire. Il fait pas de pré-shot. Il tire que à vue. Et honnêtement, là, il y a vraiment des preuves insuffisantes. Voilà, preuve insuffisante. Peut-être une perturbation mineure, mauvais comportement. Peut-être à cause de ça. Mais vu qu'un Overwatch est anonyme, et qu'on ne voit pas en fait ce qui est dit, on ne peut pas savoir si c'est un mauvais comportement. Donc pour moi, l'Overwatch est vraiment à approfondir en termes de fonctionnalité. Une fois que le cas est soumis. Par exemple, si c'est un cheater ou si on n'est pas sûr qu'il cheat, on met certes preuve insuffisante et le cas est reporté. Je sais pas comment, on ne sait pas comment ça fonctionne derrière. Et je pense que Valve devrait clarifier amplifier, je dirais, la soumission de cas pour qu'on puisse valider plus concrètement. Parce que là, certes, par exemple, s'il y a un cheater, on valide, mais on n'est pas sûr à 100%. Donc là, aujourd'hui, c'était une game, honnêtement, il n'y avait pas de cheater. Hein, donc je ne sors pas mon fusil. Et peut-être la game suivante, il y aura quelqu'un un peu plus peut-être, ou d'un peu plus intéressant à regarder. Parce que, comme je l'ai dit avant, imaginez un bon joueur qui se fait overwatcher, il peut se faire bannir si des gens disent voilà, cette game-là, on a envie de... Voilà, ils peuvent troller. Et donc, c'est pas sûr à 100%. Donc je pense que Valve devrait rectifier un peu le tir pour améliorer, histoire de mettre le cas sur le forum, que la communauté décide ou pas ce qui est bien à faire. Il faudra que Valve nous donne un peu plus de précision. Donc voilà, c'était Peganimes et Pumba Ah Pumba. Oui, je sais que tu apprécies les Overwatch. Donc c'était Peganimes et Pumba. Avec mon superbe chapeau à l'envers. J'espère que vous avez apprécié cette petite, j'irai, analyse de ce que pourrait devenir l'Overwatch à l'avenir, ce que doit peut-être être l'Overwatch à l'avenir, parce qu'il y a beaucoup de points à corriger. Et moi, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine investigation. Donc moi, je remets ça au milieu, et je suis heureux de vous dire que j'ai une merveilleuse loupe, ou là où je peux faire une grosse bouche. Allez, ciao tout le monde et à bientôt. Ah.